Écoute, Galé. Écoute, Wai Vidion. Goumbe Mando, Fongbe Wenandoa. Mando pour la vie. C'est tombé. Nabiomi. Biwa Seme. Do Toko Nobetalesi Tame. BR, Union Progressiste Le Renouveau. Moine Bénin, Renaissance Nationale. Bon, FIFO est midi. Nika le FIFO est. Bon, nous, mes comitons, mes dames comitons. Dio Tchani. Ton grand délai, un tournoi, le FIFO est beau. Bon, on est le comitons, mais. Minadon Tobi. Minadon Seme Ville, Seme Bodi Ville, Kouton Ville, Robon Ville, Natitengu Ville, Karimaman Ville. Minadon Bemi, Mado Pene do Yovo Bemi. Minadon Bemi. Minadon Bemi. Et Natchemi. Nous sommes à Seme Bodi, à la fin de cette brillante occasion que nous a donné le gouvernement de la reddition des comptes. Et ma parole est celle de tous les partis politiques qui constituent la majorité autour du gouvernement et autour de son président. Ma parole particulièrement est celle du président Abdoulaye Diotiani. Et je veux ici saluer la parfaite organisation de cette tournée avec les politiques. Je veux saluer l'écoute que partout vous avez fait aux délégations du gouvernement. Je vais juste en trois points, donner l'impression générale qui se dégage de cette tournée. Que Seme Bodi reçoit en conclusion. Seme Bodi, la ville de Saboran d'Alialou, notre carte d'identité à nous tous. La première, c'est de répondre à la question de savoir si la tournée était nécessaire ou opportune. Elle a commencé le 25 mai, aussi bien à Kandi qu'à Adamoussa, à Ladam. Et elle s'est poursuivie partout. Est-ce qu'elle est nécessaire? Oui, elle est nécessaire. Elle est nécessaire parce que, comme a Seme Bodi, nous avons tous reçu des informations que nous n'avions pas, de l'action du gouvernement pour nous, le gouvernement qui est nôtre, le gouvernement qui est votre gouvernement, les actions qu'il a engagées depuis 2016, que vous lui avez confié la responsabilité de ce pays. Et il est important que les citoyens comprennent ce qui se fait, la stratégie, les réalisations, les objectifs. Cette tournée a permis aux politiques, cette tournée a permis aux citoyens, cette tournée a permis à tous les Béninois, même ceux qui ne sont pas d'accord avec le gouvernement, de prendre connaissance et de se rendre compte de ce qui est fait. Et de ce point de vue, nous, partis politiques, ne pouvons que saluer cette initiative du chef de gouvernement, du président Patrice Athanase Guillaume Talon. D'autant par ailleurs que, au cours de ces rencontres, qui sont des rencontres citoyennes, pas une seule personne ne quitte la salle. La moyenne de temps, c'est 5 heures.
Nous sommes en train de faire quasiment 3h30, 4h, assis. Les populations sont intéressées. Les populations sont en demande. Il n'y a eu aucun incident, quel que soit l'endroit sur le territoire national, du nord au sud, de l'est à l'ouest. Ce sont donc les populations qui attendaient. Et troisièmement, cette tournée est nécessaire et opportune parce qu'il n'y a que la vérité qui tue le mensonge. Il n'y a que la vérité qui traite la rumeur. Il n'y a que la vérité qui fait reculer l'intoxication. Et sur ce plan, encore une fois,